Pour nous gagner à dire, nous pas vraiment un rapport étroit à dire. Dire, il faut travailler sur le plan d'identifier des drug dealers, arrêter, mettre en prison. Nous-mêmes, nous avons une autre approche éducationnelle. Nous pas arrêter, bien que l'ambassadeur Jock Fiolo, c'est mon, c'est mon peut-être qui a fait 20 à 30 ans dans la police, qui a travaillé comme undercover dans la question drogue, qui a arrêté moun, mais qu'on a estimé que, bien que toujours dans la police, bien que quand pile moun qui fait partie de Jock Fuel, qui est ambassadeur de Jock Fuel, qui assurément travaille pour DIA, mais nous-mêmes, nous pas arrêté moun, nous pas, il y a snitch, nous pas regarder, à chercher qui est ce qui Jock dealer pour arrêter, mais si nous connaissons un Jock dealer, par exemple, il y a un groupe haïtien qui a arrêté dans Long Island, qui était impliqué dans la question de drogue, je parle avec ma famille, mon saïe, si j'ai une chance pour me parler de ça, je vais essayer d'encadrer, je vais essayer d'expliquer qui impact. Et c'est parce que je n'ai pas de formation sur la question de drogue, je n'ai pas de éducation qui était faite et prévention sur la drogue, qui fait que je suis impliqué pour un risque. Et qu'on a non seulement je suis affecté, mais je viens déstabiliser l'image Haïti aux yeux de nos spectateurs nationaux et internationaux, puisque laissez-moi ici ou bien 20 haïtiens arrêter, et bien c'est réputation toute Haïti qui vient en danger. So, travail moi c'est essayer de faire un travail éducationnel avec drug dealer yo, pour que yo pas arrêté yo, pour que yo pas en prison, parce que les yo prend prison pendant 20 30 40 ans, yo quitte tout monde derrière. Qu'est-ce qui finance nous? Maintenant c'est une organisation non profit et que c'est des volontés, monde qui volontaire, des organisations qui doivent écrire et lettres, et bien eux-mêmes ils financent Jock Fuel de sorte que Jock Fuel est capable de promulguer, de propager et information ça qui vraiment contribue à la stabilité au monde sans droit.